Merci au sponsor d'aujourd'hui, CyberGhost VPN. Plus d'informations à la fin de la vidéo. Début juin 2015, un corps est retrouvé violemment mutilé à Newcastle, en Angleterre. Et ce qui est d'autant plus immonde dans cette affaire, c'est la condition de la victime. L'enquête va mener la police aux portes d'une maison de l'horreur, et le voile va être levé sur une affaire sordide, dont les détails vont secouer tout le Royaume-Uni. Dans ce nouvel épisode de HVI, je vous raconte la tragique histoire de Lee Irving. Générique. Le 6 juin 2015, aux alentours de 8h du matin, la ville anglaise de Newcastle s'éveille tranquillement. Malheureusement, l'un des premiers appels que reçoit le commissariat ce matin-là laisse déjà présager d'une journée difficile pour les autorités. Il semblerait qu'un promeneur ait découvert un corps. Une équipe est rapidement envoyée sur place et effectivement, la dépouille d'un homme en apparence assez jeune gît dans l'herbe au bord d'un chemin piéton au nord de la ville. La victime a visiblement subi un traumatisme important parce que son visage est très abîmé, au point même de choquer les policiers qui l'examinent. Le jeune homme ne porte pas de chaussures et la plante de ses pieds est propre, ce qui indique qu'il ne s'est pas rendu là par ses propres moyens. Quelqu'un a sûrement déposé sa dépouille ici. Une poussette qui a été abandonnée à quelques mètres de là semble avoir un lien avec tout ça. Pour les autorités, il est fort probable qu'elle ait été utilisée pour amener le corps jusqu'à cet emplacement, l'endroit n'étant pas accessible en voiture. Rien ne permet d'identifier la victime dans l'immédiat, il n'a sur lui aucun papier d'identité, ni même aucun signe distinctif visible, comme un tatouage par exemple. Afin de pouvoir mettre un nom sur celui qui n'est pour l'instant qu'un inconnu et déterminer la cause exacte de son décès, une autopsie est demandée. Il faudra 7 heures au médecin légiste pour la conduire, avec à la clé des résultats qui s'avèrent pour le moins terrifiant. Le nez de la victime est cassé, son visage est très tuméfié, sa mâchoire est brisée et sur ses côtes, on peut compter pas moins de 21 fractures. Presque tout son corps est criblé de bleus et même de coupures. Ses poumons présentent eux aussi des contusions et près d'un litre de sang s'était accumulé dans sa cavité pleurale. Selon le médecin légiste, la sévérité des blessures constatées est d'une intensité semblable à celle qu'aurait pu provoquer un accident de voiture sans port de la ceinture de sécurité. Les résultats de l'autopsie précisent également que les sévices infligés au jeune homme se sont probablement étalés sur plusieurs jours avant qu'il ne décède d'une insuffisance respiratoire due à ses multiples traumatismes. Quoi qu'il lui soit arrivé exactement, c'était d'une extrême violence et à ce stade, la police a toutes les raisons de penser qu'il a été victime d'un homicide et le fait qu'un important cocktail de drogue et de médicaments ait été retrouvé dans son organisme ne fait que renforcer cette conviction. Maintenant, il va falloir trouver qui est derrière tout ça. Il apparaît que les enquêteurs tiennent un début de piste parce que le voile sur l'identité de Lord John Doe a pu être levé grâce à ses empreintes digitales. Il s'agit de Lee Irving, qui était âgé de 24 ans. L'annonce fatidique que tous les parents craignent un jour d'entendre doit maintenant être faite à sa famille. Le pire là-dedans, c'est que la mère de Lee, Beverly Irving, dite Bev, âgée de 42 ans, était déjà au courant que son fils était mort, sans véritablement l'être. Parce que, après la découverte du corps, qui était alors simplement celui d'un homme jeune dont on ignorait l'identité, la police a publié un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour tenter de comprendre qui il était et comment il en était arrivé là. Et quand elle l'a vu, Bev a partagé le post pour aider à son identification, sans se douter que la victime était en fait son propre fils. Bref, ce jour-là, c'est toute une partie de son monde et de celui de Paul Young, 44 ans, le père de Lee, qui s'effondre. Mais malgré leur profonde tristesse, ses parents ne sont pas aussi surpris qu'ils devraient l'être. En effet, depuis un moment, Lee était engagé sur une très, très mauvaise pente. L'une des premières choses que Bev révèle aux enquêteurs, c'est que son fils n'était pas vraiment un jeune homme comme les autres. Pour comprendre qui il était, on va faire un petit saut en arrière dans le temps, direction le 16 février 91, le jour où Lee Irving est venu au monde. Cette date très spéciale pour Bev et Paul,
parce qu'il s'agit de celle de la naissance de leur premier enfant, qui au départ se développe tout à fait normalement. C'est lorsqu'il atteint l'âge où les enfants commencent généralement à parler et à effectuer des tâches simples que ses parents remarquent chez lui de grosses difficultés. Il n'y arrive tout simplement pas et Bev et Paul, qui s'inquiètent d'un tel retard, décident de consulter un spécialiste afin d'avoir son avis sur la question. Il se trouve que leur démarche était la bonne parce que des examens révèlent que Lee présente d'importants troubles de l'apprentissage. Son QI s'élève à 56, comme celui de seulement 0,2% de la population. Il peine à se sociabiliser et a besoin d'aide au quotidien, ce qui lui vaut d'ailleurs une admission à la Percy Headley School, un établissement spécialisé dans l'accueil d'enfants aux besoins spéciaux. Dès l'âge de 4 ans, il est officiellement reconnu handicapé. Ses parents, qui auront par la suite 3 autres fils, doivent le surveiller comme le lait sur le feu quand il est à la maison ou à l'extérieur, parce que Lee est extrêmement vulnérable. Il est d'une grande naïveté, très influençable, et son faible niveau intellectuel fait qu'il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. En gros, Lee se met facilement en danger, et ça arrive d'autant plus souvent que tout ce qu'il veut, lui, c'est se faire des amis. Vraiment, à tout prix. Le problème, c'est qu'on connaît tous la légère sympathie dont peuvent faire preuve les enfants entre eux. Vous l'avez compris, Lee est aussi crédule qu'il est gentil, et certains en profitent allègrement, en plus de l'humilier quotidiennement. Pour ne prendre qu'un seul exemple parmi tant d'autres, il lui arrive régulièrement de rentrer à la maison sans vêtements parce qu'ils lui ont été volés. D'ailleurs, le harcèlement dont il est victime de la part des enfants du quartier est si abusif que Bev prend la décision de ne plus laisser son fils sortir jouer avec eux du tout. Un choix que Lee ne comprend même pas parce que pour lui c'était juste un jeu. Malgré tout ce qu'il subit, il reste un garçon agréable et enjoué qui ne se plaint jamais. Ceci dit, le fait qu'il se taise ne signifie pas qu'il ne souffre pas, surtout étant donné qu'il se rend bien compte qu'il est différent. Lee voit les autres réussir assez facilement ce que lui parvient à ne faire qu'avec difficulté, voire pas du tout, et c'est compliqué à gérer pour lui. D'autant plus qu'il est toujours désespérément seul. En dépit de tous ses efforts, personne ne veut tisser de lien avec lui, et tout ça mis bout à bout au fil des années, ça finit évidemment par avoir un impact sur son comportement. L'enfant dynamique et heureux s'éteint petit à petit, jusqu'à devenir un adolescent plus renfermé sur lui-même, puis un jeune homme prêt à tout, pour peu qu'on lui accorde de l'attention. Il veut juste avoir un semblant de vie normale finalement. Et lorsqu'il devient majeur, aux yeux de la société, c'est un adulte, même s'il n'en a absolument pas la jugeote. À vrai dire, même à 18 ans passés, Lee résonne encore comme un enfant, et ses parents se battent pour que la mesure de protection dont il bénéficiait avant sa majorité reste la même. Les agissements de leur fils les inquiètent et ils ont peur pour son avenir vu qu'en plus ils ne peuvent plus l'empêcher de faire ce qu'il veut et par là de s'attirer des problèmes. Malheureusement, personne ne les écoute et tous les professionnels qu'ils contactent à ce sujet ont la sourde oreille. Lee est majeur et à présent c'est un service pour adultes qui s'occupera de son suivi en lui laissant les libertés qui vont avec son âge, point barre. Et d'ailleurs, tout porte à croire que Bev et Paul ont raison de s'inquiéter parce qu'à partir de 2011, alors que Lee n'est âgé que de 20 ans, il multiplie déjà les mauvaises rencontres depuis un sacré moment. Les très mauvaises rencontres. Lorsqu'il quitte la maison familiale, le jeune homme se sent plus indépendant et a l'impression d'échapper au spectre de ses troubles de l'apprentissage. Lee est avide de liberté, alors il disparaît souvent plusieurs jours, voire des semaines ou même des mois. Ses parents vont même finir par le retrouver dans un squat où il s'était installé avec des sans-abri qui n'avaient pas les meilleures intentions du monde. Il se servait régulièrement de lui pour voler et l'incitait à consommer de l'alcool en grande quantité et même de la drogue. Le besoin de Lee d'être accepté va d'ailleurs aller jusqu'à le conduire à effectuer un court séjour en prison après qu'il ait été arrêté pour avoir aidé quelqu'un à chaparder une montre. À sa sortie, il doit porter un bracelet électronique, mais il ne parvient même pas à comprendre les règles liées au dispositif. Résultat, il retourne purger sa peine derrière les barreaux pour ne pas avoir respecté les termes de sa conditionnelle. Au fil du temps, Lee fait l'objet de multiples arrestations. Ivresse sur la voie publique, possession d'armes, de drogue, vol à l'étalage, cambriolage, mendicité ou encore trouble à l'ordre public. En seulement 4 ans, il est déjà appréhendé pas moins de 30 fois par la police, mais aussi fouillé ou contrôlé 17 fois. En 2014, Lee se voit légalement accorder le droit de disposer d'une partie de son argent, comme il l'entend, et ça ne va faire qu'aggraver les choses.
C'est d'ailleurs cette même année qu'il fait la rencontre de James Whitley, 28 ans, via une discussion de groupe sur une messagerie instantanée. Il se lie rapidement d'amitié, enfin ça, c'est ce que croit Lee. Au premier abord, James se montre particulièrement gentil avec lui, et Lee en vient même à le voir comme un modèle, au point d'accepter d'emménager chez lui. La maison où vit James est située à Kenton, dans la banlieue de Newcastle, et elle est considérée comme une sorte de foyer de transition qui accueille régulièrement des adultes aux besoins spéciaux. Sur le coup, Lee pense qu'il a enfin trouvé un ami et qu'en plus de ça, grâce à lui, il peut enfin prendre son envol et quitter la maison familiale comme il le veut depuis des années. Cerise sur le gâteau, il va vivre dans un endroit adapté auprès de gens qui ont l'habitude de prendre en charge des personnes handicapées. Bref, tout a l'air idéal sur le papier. Sauf que malheureusement, l'apparente maison idéale va s'avérer être tout sauf parfait. C'est en tout cas à partir de là que le fossé se creuse entre Lee, sa famille et même le service de protection qu'il suit parce qu'il commence à rater régulièrement ses rendez-vous. En fait, James tire les ficelles de sorte à ce qu'il s'éloigne doucement des personnes qui peuvent s'inquiéter pour lui et ça marche. Bev sent que quelque chose ne va pas avec ce foyer et elle tente à plusieurs reprises de convaincre son fils de revenir habiter chez elle, mais il refuse. Elle finit alors par contacter la police dans l'espoir d'obtenir leur appui pour pouvoir le sortir de là. Malheureusement, elle se fait envoyer sur les roses parce que, je cite, « Lee est un adulte et qu'il a le droit de prendre ses propres décisions ». Sa mère se retrouve face à un mur et elle est dans l'incapacité, tout comme Paul, dont elle est séparée depuis un moment, de venir en aide à son enfant. Elle sait Lee sous l'emprise de personnes vraiment peu recommandables, mais elle n'y peut strictement rien. Et si je dis « de personnes » au pluriel, c'est parce que dans cette maison, il n'y a pas que James Whitley. On peut également y trouver sa mère, Julie Mills, 51 ans, la propriétaire de la maison, qui est pour ainsi dire la gestionnaire du foyer, et Barry Imray, un homme de 34 ans, en séjour là-bas à ce moment-là, et qui, tout comme Lee, a des troubles de l'apprentissage. Pour finir, la petite amie de James, Nicole Lawrence, 21 ans, n'y vit pas, mais c'est tout comme, vu qu'elle s'y rend très souvent. Et si tout ce petit monde tient tant à accueillir des personnes handicapées sous leur toit, ça n'empêche pas du tout par bonté d'âme. Ce qu'ils cherchent, c'est surtout à faire main basse sur leur argent. Les pensionnaires de ce foyer sont généralement des adultes très vulnérables qui ne se plaignent pas, et ça, ils en profitent allègrement. Lee les prend pour ses amis, notamment James, qui le manipule en continu pour qu'il lui fasse une confiance aveugle. Du coup, il ne voit pas le mal quand quelqu'un veut se payer une télévision, un lit, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, en utilisant sa carte bancaire. Beverly donne parfois du liquide à son fils pour qu'il puisse faire des courses, mais dès qu'il a passé les portes de la maison de Julie, les billets changent de propriétaire. Le trio tente même à plusieurs reprises de souscrire un prêt en son nom, mais ils n'y parviennent pas. Pour vous donner une idée, en 2015, Julie perçoit déjà les pensions de 4 personnes handicapées à leur place. Sans surprise, elle tente de s'approprier également celle de Lee, mais heureusement, sa demande est refusée parce qu'elle ne connaît pas son numéro de sécurité sociale. Bref, vous l'avez compris, après son arrivée au foyer, James, Julie et Nicole commencent à se servir grassement sur le compte du jeune homme, mais ça n'est pas tout. Lee et les autres pensionnaires subissent de très nombreux mauvais traitements. C'est simple, ils sont traités comme des esclaves quand ils ne sont pas tout simplement battus. Et ça, c'est toujours James qui s'en charge. À vrai dire, il gère toute la partie violence et intimidation. Ceci dit, dans un genre moins extrême, Julie n'est pas en reste non plus. Il arrive qu'elle fasse dormir Lee dans la pièce, qui est normalement réservée aux chiens, ou qu'il soit enfermé quelque part, sans possibilité d'en sortir pendant des jours. Le 29 mai 2015, Beverly, qui n'a pas vu son fils depuis un moment, et s'inquiète pour lui, arrive à convaincre la police de se rendre au foyer pour vérifier qu'il va bien. Là-bas, c'est Julie qui répond à leurs questions à sa place, pendant que Nicole le garde à l'étage pour l'empêcher de descendre. Elles savent pertinemment que si les agents voient Lee à ce moment-là, certaines choses vont être assez compliquées à justifier. Malheureusement, les officiers concluent que tout est en ordre, puis repartent sans chercher plus loin, et ce n'est là que l'une des nombreuses erreurs qui feront que Bev et Paul devront enterrer leur fils quelques semaines plus tard. En réalité, la veille de la visite de la police, Lee a été sévèrement battu par James pour avoir uriné au lit dans la nuit, l'énurésie faisant partie des problèmes qu'il pouvait avoir à cause de son handicap.
Les résultats de l'autopsie montrent que plusieurs de ses côtes ont probablement été fracturées à ce moment-là et qu'il n'a reçu aucune aide médicale. Par la suite, pour être sûr de le garder entièrement sous leur contrôle et que personne ne puisse le voir, ces tortionnaires ont eu recours à des méthodes qu'on peut qualifier d'abjectes. Julie a donné de la drogue à Lee, mais aussi des médicaments en très grande quantité, de la morphine, des anxiolytiques, des antipsychotiques et même des sédatifs qui sont normalement utilisés par les vétérinaires sur des chiens. Le but étant de l'abrutir totalement et de l'empêcher de sortir. Pendant ce temps, James et Nicole multiplient les achats avec la carte de Lee. Ils la font fumer, pour reprendre les mots de celui qui était supposé être son ami. Et si vous pensiez que tout ce qu'il s'est passé est abominable, le pire reste malheureusement à venir. Une semaine seulement après lui avoir porté des coups déjà très violents, James lève encore une fois la main sur Lee. Sa victime souffre toujours de ses précédentes blessures, mais ça ne l'empêche pas de le battre à nouveau avec une brutalité sans nom. Il abandonne ensuite Lee à une agonie terriblement douloureuse qui durera plusieurs heures avant de finalement se solder par sa mort. Barry, qui n'a pas participé à sa torture, sans pour autant lui venir en aide non plus, est chargé de sortir son corps de la maison dans la nuit du 6 avril 2015. Comme d'habitude, James se sert de l'influence qu'il a sur une personne vulnérable pour arriver à ses fins, et ici, le but, c'est clairement de s'épargner le sale boulot. Barry a pour consigne de se débarrasser de la dépouille de Lee, quelque part à l'aide d'une poussette, ce qu'il fait, avant d'appeler la police pour leur dire qu'il est soi-disant tombé dessus par hasard. Vous savez, le fameux promeneur qui avait trouvé le corps au début de la vidéo. Le truc, c'est que pendant la nuit, il a été aperçu par quelqu'un qui, sur le coup, a simplement pensé qu'il transportait un homme ivre. C'est le témoignage de cette personne, ajouté à celui de Bev, qui va mettre la police sur la bonne piste. Il faut rapidement le lien entre le corps de Lee Irving, qui était victime d'un homicide, et les occupants du foyer d'accueil où il résidait avant son décès. Mais lorsque les enquêteurs tapent à la porte du 33 Studenwalk pour leur poser quelques petites questions, comme par hasard, personne n'a rien à dire. En fait, ils affirment tous qu'ils ne connaissent même pas Lee. Pourtant, la nouvelle télé qui trône dans le salon et qui a été achetée avec la carte bleue qu'ils lui ont volée raconte une toute autre histoire. Bref, c'est un mensonge vraiment très maladroit qui, évidemment, provoque l'arrestation immédiate de James, Julie, Nicole et Barry. La maison est maintenant considérée comme une potentielle scène de crime et la police scientifique la passe au peigne fin à la recherche de preuves matérielles. Il leur faut pouvoir démontrer que oui, Lee Irving était bien ici, mais surtout que c'est là qu'il a trouvé la mort. Et c'est dans l'une des chambres, celle de James, qu'ils vont découvrir des éléments assez révélateurs. Des gouttelettes de sang qui avaient été projetées sur un grand poster noir et avaient échappé au nettoyage sont identifiées comme appartenant à la victime. Et c'est loin d'être la seule découverte incriminante que les enquêteurs vont faire, parce que les échanges qu'ont eu certains des suspects avant les faits en disent long sur leur culpabilité. Dans un message envoyé par James à Nicole, on peut lire « Je lui ai mis une raclée, je lui ai cassé la mâchoire et mis les deux yeux au beurre noir. » Nicole, elle, lui répond par la suite qu'une fois qu'il aura disposé du corps, il n'y aura plus de preuves et qu'il faudra qu'il nettoie bien sa chambre après. Sur Facebook, les suspects n'étaient également pas avares en détail dans leur conversation privée. Julie y décrit l'état de Lee comme étant un massacre, puis elle ajoute qu'il ressemble à Elephant Man. En fait, le trio traitait la victime comme si c'était un animal, le surnommant même Spaka, un mot d'argot anglais très dégradant utilisé pour qualifier un handicapé. Dans les recherches internet effectuées par Julie et Nicole sur leur téléphone la nuit du décès de Lee, on peut lire « Pourquoi tout mon corps est froid après une agression ?» ou encore « symptômes d'une hémorragie cérébrale ». On peut imaginer qu'à ce moment-là, elle réalisait finalement qu'il était peut-être en train de mourir, ou même qu'il était déjà mort. Pendant les investigations, tous les suspects sont interrogés et chacun tente de minimiser sa responsabilité dans l'affaire, à part Barry, qui s'est laissé convaincre de se dénoncer. Il était en détention avec James et ce dernier a profité de la peur qu'il lui inspirait pour tenter de lui faire porter le chapeau à sa place pour le meurtre de Lee. C'est le 4 janvier 2016, soit presque 8 mois après les faits, qu'un procès s'ouvre enfin. James, Barry, Julie et Nicole sont inculpés de différentes charges. Les deux hommes sont les seuls à être accusés de meurtre, mais tous les quatre sont accusés de complot visant à détourner le cours de la justice, ainsi que d'avoir causé ou permis la mort d'un adulte vulnérable. Pendant 5 semaines, des preuves accablantes sont présentées à la cour,
et les témoins défilent à la barre. Et quand je dis qu'ils défilent, ça n'est pas une expression, parce qu'ils sont 70 à venir s'exprimer au sujet du manque d'humanité des suspects, et plus particulièrement de James. Dans le lot, il y a même l'une de ses ex-petites amies qui affirme qu'il l'a retenue captive et battue à plusieurs reprises. Bref, en fait, ce qu'il s'est passé avec Lee, c'était pas du tout une première pour lui, bien au contraire. La salle d'audience peine à se remettre de ce qu'elle entend, si bien qu'à la fin du procès, le juge prend une décision rarissime. Il dissout le jury et ordonne la tenue d'une nouvelle audience. Ouais, parce que, véridique, il craint que les jurés, qui sont tous révoltés par l'odieux personnage qui est James, il craint donc que le jury soit tout simplement incapable de rester impartial, comme il devrait normalement l'être. C'est le 4 octobre 2016 que s'ouvre le second et dernier procès, et 2 mois après que les sentences des accusés sont finalement prononcées. Avant d'annoncer celle de James, le juge prend la parole pour lui dire qu'il est un tyran vicieux et brutal, sujet à des actes soudains et explosifs de violence soutenue. Il ajoute que Lee Irving était à la fois incapable et peu disposé à résister, et que James le savait parfaitement. James Whitley est reconnu coupable du meurtre de Lee Irving et condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 23 ans. Il écope également de 2 ans de prison supplémentaire pour avoir été reconnu coupable de perversion de la justice, mais pourra purger cette peine simultanément à celle pour meurtre. En raison de son handicap et de l'influence manifeste qu'exerçait James sur lui au moment des faits, Barry Imray est déclaré non coupable de meurtre, mais condamné à 3 ans de prison pour avoir causé ou permis la mort d'un adulte vulnérable. 16 mois d'emprisonnement viennent s'ajouter à cette peine pour les accusations de perversion de la justice, dont il est également reconnu coupable. Cette seconde peine sera toutefois, elle aussi, effectuée simultanément à la première. Julie Mills est, elle aussi, déclarée coupable d'avoir causé ou permis la mort d'un adulte vulnérable et de perversion de la justice, ce qui lui vaut une condamnation à 8 ans de prison au total. Et pour finir, Nicole Lawrence est reconnue coupable des mêmes charges et écope de 4 ans d'emprisonnement, plus 2 années supplémentaires à purger simultanément à sa première peine. Par la suite, le procureur général décide de faire appel des condamnations de Julie et Nicole, qu'il trouve trop clémentes, et les deux femmes voient leur peine être rallongée. La première écope finalement de 10 ans de prison au total au lieu de 8, et la seconde de 7 au lieu de 4. À l'heure où j'écris ces mots, elles sont toutes les deux à nouveau libres. Barry a été relâché en 2016 après avoir purgé 18 mois en détention provisoire, et James, quant à lui, est toujours derrière les barreaux. Il ne pourra prétendre à une libération conditionnelle qu'en 2040. Vous vous en doutez, cette affaire a provoqué un tollé en Angleterre quand elle a été rendue publique. Beaucoup de gens ont blâmé l'inaction des différents services chargés de la protection de Lee, qui auraient dû à leur goût apporter un soutien plus conséquent à sa famille, qui avait pourtant tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. L'administration s'est défendue d'avoir, pour ainsi dire, laissé tomber le jeune homme, arguant qu'il était un cas très difficile à gérer pour eux, de par la résistance qu'il déployait face à sa propre prise en charge. Par ailleurs, un rapport avait été fait en faveur d'un durcissement des mesures d'encadrement de Lee, et au moment de son décès, la procédure suivait encore son cours. Cette vidéo a été sponsorisée par CyberGhostVPN, sponsor régulier de la chaîne. Merci à eux. On travaille ensemble depuis plus d'un an et demi, et ça fait plaisir. Habituellement, j'utilise CyberGhostVPN à la maison, principalement pour débloquer du contenu géo-restreint, qu'il s'agisse de documentaires true crime réservés aux viewers américains, ou même des informations pour la rédaction de certains de mes scripts, qui, des fois, sont bloqués pour les utilisateurs se trouvant, comme moi, en Thaïlande. Mais cet été, CyberGhostVPN m'a beaucoup servi pour protéger mon activité en ligne, parce qu'étant en visite en France, j'ai beaucoup utilisé des réseaux Wi-Fi publics. Et il y a plein de gens mal intentionnés qui tentent de subtiliser les données personnelles de ceux qui sont mal protégés. Moi, j'avais juste pas envie que ça m'arrive. Imaginez, quelqu'un vole mes codes d'accès YouTube et je peux plus publier de vidéos. Et ce serait ballot quand même. Alors, si vous aussi vous voulez vous protéger, vous pouvez rejoindre comme moi les 38 millions d'utilisateurs de CyberGhostVPN. En plus de masquer votre adresse IP et de protéger vos données personnelles, vous débloquerez l'intégralité du contenu de plein de plateformes comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Et vous pourrez même regarder gratuitement la saison de F1 en français sur la chaîne belge RTBF. En utilisant mon lien en description, CyberGhost vous offre 4 mois gratuits et vous bénéficiez d'un super prix. 2,03€ par mois seulement, soit 83% de réduction. Et vous pouvez l'essayer sans stresser, avec la garantie 45 jours, satisfait ou remboursé.
Allez jeter un œil au lien dans la description pour voir l'offre, et même si vous ne sautez pas le pas, ça soutient quand même la chaîne. Encore merci à CyberGhost de leur fidélité, c'est vraiment un plaisir d'avoir des relations professionnelles sur le long terme. Nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle affaire, et d'ici là, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut.